Notre maison ferait le désespoir du cambrioleur. Et il y a une télé, voilà. Mais le cambrioleur serait désespéré parce qu'il n'y a rien qui ait une grande valeur. Rien. J'ai écrit un livre sur la sobriété heureuse. C'est-à-dire la sobriété comme facteur de bonheur. Pourquoi? Parce qu'elle est libératrice. Si je suis pris dans le toujours plus, je suis jamais satisfait, j'ai ça, mais il me faut ça, j'ai telle bagnole, il me faut encore. Mais à quel moment est-ce que je vais être satisfait? Il y a des gens qui sont milliardaires, mais ils sont malheureux comme tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose. Alors on peut gagner de l'argent, on peut avoir des yachts, on peut avoir des avions privés, on peut frimer, on peut éclater. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas acheter, c'est la joie de vivre. De vivre, je vais en Afrique, certaines personnes se disent, est-ce que demain on aura à bouffer? Ils sont heureux quand même. Et je viens dans l'abondance, dans la surabondance. Et qu'est-ce qu'on fait? La consommation d'anxiolytiques qui n'arrête pas de monter. Donc il y a quand même à réfléchir, mais qu'est-ce que vivre? On est sur cette planète pour être heureux, on n'est pas sur cette planète pour en baver. Une chose qu'on ne peut pas acheter, c'est la joie de vivre.